Lors de son mémorable passage au camp Luka, quartier 1, commune de Kintambo, à Kinshasa, le président Moïse Katumbi a fortement été secoué par la grande précarité sociale dans laquelle l'ensemble des habitants vivaient. Et bien plus particulièrement la famille Swami, dont il avait visité le lieu d'habitation. Des conditions difficiles à supporter, forçant certains des occupants, dont cette mère d'âge avancé, à dormir à même le sol. Une habitation qui les exposait sans merci à la rage de toutes sortes d'intempéries, sans parler de maladies. Touché, il promit à maman Swami qu'il ferait quelque chose pour alléger leur fardeau. Et dès le lendemain, ses équipes, conduites par le coordonnateur Papi Mbaki, envahissaient le lieu pour, non pas réhabiliter, mais carrément reconstruire une maison digne. Un mois suffira au président Moïse Katumbi, par les mains de ses équipes, à transfigurer littéralement cette ruine d'habitation. Il ne va pas s'arrêter à construire une nouvelle maison. Il y ajoutera une annexe ainsi que deux bâtiments commerciaux pour s'assurer que ce nouveau palace du camp Luka serait éclairé en permanence. Il y fait également installer des panneaux solaires. Il pouvait s'arrêter à ceci, mais non. Il est allé aussi loin que fournir la maison en meubles de qualité et en appareils électroménagers. Par ceci, démontrant que même dans les coins reculés de la capitale Kinshasa, l'on pouvait décemment vivre. Le vendredi 23 juin 2023 a été le grand jour au cours duquel Papi Mbaki, envoyé du président Moïse Katumbi, remit les clés de la nouvelle maison à la famille Swami. Tout camp Luka était au rendez-vous, débordant d'enthousiasme et de gratitude. Merci mingi baba Moïse Katumbi na kumisi pe nzambe na o sele libiso na libota na biso. Nyonso nzambe moto apesaka. Lokola asali evroyo. Moïse Katumbi président biso akende liboso. L'œuvre que vous voyez, c'est la suite logique de la personnalité de Moïse Katumbi. Lorsqu'il promet, il réalise. Vous vous souviendrez, le président Moïse Katumbi était passé ici au camp Luka le mois passé pour visiter l'œuvre qu'il avait aussi à réhabiliter et moderniser même le centre hospitalier Bomberger. Il a eu même aussi à éclairer la grande avenue ici par des systèmes de lampadaires solaires. Et en passant, quand il est venu, il a vu les conditions dans lesquelles la population de camp Luka, de manière générale, vivait, et en particulier cette famille. Le président Moïse, qui a mis ses pieds dans cette maison, cette parcelle, il a dit ça, ce n'est pas normal et qu'il faut faire quelque chose. Et le président a toujours dit que tout le monde doit vivre comme les autres, c'est-à-dire ceux-là qui
qui ont ne fût-ce que le minimum vital. On doit avoir le minimum vital. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez cette œuvre. Et d'ailleurs, dans la réhabilitation, la reconstruction était suivie pas à pas, minute par le président Moïse Katumbi. La famille Swami peut à présent vivre comme les autres.